Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce Vie ma vie de volontaire. Je m'appelle Clément, et je vais vous montrer ce que je vis quotidiennement en tant que volontaire du tourisme. Déjà, si j'ai choisi de devenir volontaire, c'est parce que c'est une vraie expérience de vie. Humainement, culturellement, émotionnellement, c'est beaucoup de moments forts. Et le fait de partager cette expérience avec des touristes aussi passionnés que moi, c'est génial. Et aujourd'hui, avec toute l'équipe présente sur place, on a la chance de travailler dans un des lieux les plus emblématiques de l'Île-de-France, le château de Versailles. Mon rôle en tant que volontaire du tourisme, c'est de leur offrir un accueil à la hauteur et ensuite de leur montrer toutes les choses à faire au cœur du château. Comme c'est un endroit qui regorge de merveilles pour les yeux et que j'aime partager mon enthousiasme, j'oriente les touristes vers des lieux à ne pas manquer en fonction de leurs demandes. Comme ici, au Grand Trianon. Et je leur permets d'organiser des visites pour qu'ils puissent faire le plus d'endroits possible sans avoir à retourner sur leurs pas. C'est très plaisant. Mais j'ai tellement envie de leur faire découvrir que j'aimerais les accompagner pendant toute leur visite. Allez, je vous emmène ailleurs. Là, je vous emmène à Conflans-Sainte-Honorine. Il y a beaucoup de choses à faire et à voir ici aussi. Je vais très souvent à la rencontre du touriste pour l'accueillir et créer ce premier lien avec la ville. Bonjour monsieur. Bonjour. Dites-moi tout. Je cherche où aller pour la croisière. Ah, alors c'est très simple. Vous continuez tout droit et vous allez vers la droite. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne journée. Au revoir. Il faut bien les écouter pour s'adapter à leurs demandes et pour pouvoir les guider pour qu'ils profitent des endroits les plus sympas de la ville. Et il y en a beaucoup. Ce qui est aussi super sympa quand je passe au centre-ville, c'est d'échanger avec les gens qui me disent ce qu'ils pensent du dispositif. Et c'est aussi très intéressant d'avoir des retours sur notre travail. Et à Paris, c'est encore autre chose. Me voilà devant l'un des monuments les plus emblématiques de Paris, le Panthéon. Lieu touristique chargé d'histoire que je suis très content de valoriser aujourd'hui. Lors de leur visite, les touristes ne veulent rien manquer. C'est pour ça que je prends mon rôle à cœur, en étant précis dans les indications que je donne. Excusez-moi, pourriez me dire où est la crypte? Oui, bien sûr, monsieur. Vous voyez la Convention nationale? Oui. Alors c'est à gauche, juste derrière les drapeaux. Ah, super. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne visite, monsieur. Merci. Mon but est qu'ils prennent le plus de plaisir possible et que la visite soit le plus fluide pour eux. Je profite de ces échanges pour partager avec eux ma passion, mais aussi leur donner des idées auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé. Il y a une belle diversité de lieux à Paris. Allez, je vous fais voyager. Le parc de la Villette regroupe de nombreuses activités dans un cadre magnifique en plein Paris. Je vais d'ailleurs y retrouver une collègue. Bonjour Tiffaine, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ah, ça va très bien. Comme vous voyez, on est une vraie équipe. En tant que volontaire du tourisme, je suis très content de travailler dans des endroits aussi vivants et très différents les uns des autres. Alors, les missions sont très variées. Dans un premier temps, je vais faire la promotion du parc en renseignant les touristes sur l'actualité de l'été à la Villette. Et dans un second temps, j'organise des visites guidées le long de la promenade cinématique au départ de la randonnée Ourcq-La Villette. Je suis très content de ce que je vis au quotidien. Le contact humain fait partie de mes missions et je travaille dans des endroits tous très différents les uns des autres. Voilà, c'est ma vie de volontaire du tourisme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir suivi et j'espère vous avoir fait voyager un petit peu. Merci beaucoup. Salut !